Allez, bonjour à toutes et à tous. Comme promis, toujours une petite vidéo sur les mots qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui, le mot qui me tient à cœur, c'est la peur. Ce sentiment qu'on peut tous ressentir, femme ou homme, à un moment de sa vie, quels que soient les incidents ou la pression qu'on va subir, la peur. La peur est humaine et fait partie de nous. La personne qui vous dira qu'elle n'a pas peur, c'est un menteur, parce que tout le monde a peur. Après, il y a des manières de contrôler cette peur, de la transformer en énergie positive, d'avancer et de s'en servir pour être plus fort. Mais notre cerveau humain, parce qu'au départ, on est tous des animaux, on est tous faits de la même manière. Quand vous êtes face à un incident ou à quelque chose de particulier qui va vous perturber, la première chose qui se passe, c'est la sidération. Alors, en fonction de tout individu, toute personne, eh ben, elle dure un certain temps. Et après, il y a la fuite et l'attaque, ou l'attaque et la fuite. On est tous pareils. Ce qui va changer là-dedans et qui va permettre aux gens de sortir rapidement de la sidération, ben, c'est l'entraînement, les automatismes, ou chacun, on est tous différents des uns des autres. Et puis, ben, des gens qui vont vous paraître très effacés, qui vantarisent jamais, vont être très efficaces au moment d'un événement particulier. Et puis d'autres qui sont toujours en train de vociférer, de parler ou de se mettre en avant. Le jour où il y a un incident, ils sont dans la sidération et ils ne peuvent pas sortir de la sidération. Alors, la peur, elle fait partie à part entière de notre vie. Chaque fois, on sera confronté à la peur, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et ben, pour cela, soyez préparés à chaque événement, entraînez-vous, préparez-vous et surtout, travaillez des automatismes qui vont vous permettre, lorsqu'un incident ou un cas non conforme arrive, vont vous permettre de réagir de la bonne manière. Voilà, je terminerai par ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et ceux qui veulent se faire un petit peu peur, le prochain stage est en octobre 2023 avec Marius Team Combat pour hier. Et ben, je vous invite sur le Facebook officiel Marius Team Combat, ceux qui sont désireux d'avoir des renseignements ou des informations sur ce stage, de nous envoyer un petit message privé. Allez, bonne journée et bonne soirée à tous. Au revoir.